Je l'espère pas. On verra. Allons-y. Mêlons-nous au combat, à la sueur et au sang. Et c'est parti, mes amis. Voilà. Tiens. Au revoir. Voilà, boum. Bon, on va faire pour objectif le combo 50, comme j'aurais dû l'avoir la fois passée, mais bon. Pas de bol, pas de bol. Allez. Voilà, donc gain actuel 100 livres. Prochaine victoire 300. On est là, évidemment, pour l'argent aussi. Allez, viens. Gros tas de muscles. Bon. Évidemment, le compteur de combo a été remis à zéro. Ce qui va pas faire mes affaires. Je suis là. Allez. Elle est belle comme ça. Evie Fry en petit top. C'est la première fois que je suis amoureux d'un personnage dans les jeux vidéo. Parce que, en fait, il faut quand même vous situer dans l'histoire. Enfin, normalement. Dans la suite logique des histoires, je dis toujours, ouais, faut arrêter, c'est un bout de pixel, faut pas s'extasier comme ça sur un personnage, quoi. Et ben là, je me rends compte quand même que je suis obligé de le faire. Elle est charismatique à creuser. Franchement, ouais, j'ai jamais vu aussi charismatique comme personnage. Mais bon. On va se battre, hein. Et on va continuer. Lui, il a sa garde. Hop là, t'as vraiment cru que j'allais te laisser me taper. Ah, je gère. Hein. Au revoir. 45 de combo. Comment je les défonce? Allez, venez les enfants. On va. Ah, première fois que je suis touché. Bon, faut une première fois, vous allez me dire. Bon, il commence à avoir du monde là. Il va falloir nettoyer tout ça parce que. Voilà. Contre, merci d'attendre, quoi, avec ce spam touche. C'est abusé. Allez, on va nettoyer là parce que ça commence à me saouler. Voilà, 1, 2. Voilà. Waouh. Franchement, je fais deux combats comme ça, j'ai plus de dos, hein, je vous le dis. Enfin, surtout de temps limite. Hein. Ouais, lui, il met des belles patates par contre. T'as jamais appris à pas être méchant avec une dame. Tiens. Voilà. Alors. C'est qui maman? Encore? Non. Série de victoires. Encore une. Bon, attendez. Parce que je vous jure. J'ai tendance à faire des tendinites, alors je vous le dis pas. Je l'ai senti dans le poignet. Allez, dernier combat. C'est parti. En fait, il faudrait que j'arrive à achever mes voilà, mes gars plus vite, simplement. Parce que j'ai tendance à les laisser à moitié en vie, c'est ça le problème. Voilà, et du coup, je me retrouve surnombre, en surnombre à cause de ça. Waouh, waouh, waouh. Et j'ai pas de remède. Hein. Je vous jure que je morfle. Je suis occupé de morfler au niveau de mes poignets. Ça devient chaud. Bon, et de deux. Bon, you. Oh putain, j'ai cru que je me prenais une patate et que c'était fini. Imaginez quoi. Le dernier mec, Schwing. Ouh.
Bon, eh ben, je vais faire une rectification. Je vais pas le faire deux fois, je vais le faire qu'une fois. Voilà, on atteint le niveau de loyauté niveau 2. Ce qui me permet d'avoir une canne. Une canne. Des objets de fabrication et du... Et de l'argent et d'XP. Voilà. Mais bon, on a fait Radia quand même là, je vous avoue. Alors dans l'inventaire, on va pouvoir regarder ce qu'on a de mieux. Fabriquer. J'ai pas d'autres objets. Néon. 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 Bon. Qu'est-ce que j'ai je viens de recevoir moi alors? Canne épée? Non. Qu'est-ce que j'ai reçu comme canne épée? Plus bas peut-être? Ah. Ah ouais, niveau 7 en fait. Il faut un niveau 7, évidemment. Bon. L'avantage, là aussi. J'ai quand même déjà du petit matos pour plus tard. Bon. C'est déjà une bonne chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on fabrique la canne épée Maya. Et que on l'améliore si on en a la possibilité. On va faire ça. J'espère en tout cas que vous passez un excellent moment en ma compagnie. Donc c'est Assassin's Creed, évidemment. Alors. Niveau 8 ça déjà. Je peux déjà me faire un niveau 8 si j'en ai envie. Alors. Canne épée de jade. Maya, j'avais dit. Ah, il manque encore des lingots de fer, a priori. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Ce que je vous propose, ça pourrait être une bonne chose. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Sinon, j'aurais, en fait, j'aurais fabriqué le bazar et j'aurais attendu le niveau 8 pour l'avoir. Mais je pense que ça fait un trop gros investissement dans le sens où je vais claquer... quasi 90% de mes ressources pour un truc où je vais devoir attendre encore 3 niveaux. Il faut quand même se dire que ça fait beaucoup. Bon, et ici. Aussi. C'est toujours le problème de je vais lâcher des thunes, en gros. C'est comment je vais faire pour lâcher des thunes. Parce que j'ai quand même l'impression que dans le jeu, c'est abusé pour le moment. Bon, bah écoutez. J'arrive pas à me... Comment dire? À me décider sur quelque chose. Et quitte à acheter de la merde, j'achèterai de la merde plus tard. Alors, on va aller rendre une petite visite. Donc, c'était quoi notre délire ici? On est 5, donc ça se passe bien jusque là. Là, on a aussi un événement. Charles Dickens. Donc, à la limite, on pourrait aller rendre une petite visite et faire la mémoire de Charles Dickens qui nous permettrait d'avoir le level. Mais tant qu'on est dans la zone, on va quand même en abuser. Bon, je vais pinguer, mais encore une fois, ça va servir à rien. Ça va, j'ai compris pourquoi. Je pense avoir compris pourquoi. En fait, je ping le point de déplacement, et puis je me déplace. Donc, je tire mon ping de mon point d'intérêt principal. On va dire ça comme ça. Et on va pouvoir donc continuer donc la séquence 5 de l'aventure. Ce qui va nous permettre d'avancer évidemment dans l'histoire. C'est un petit peu perturbant en fait dans Assassin's Creed Syndicate. C'est parce que les séquences sont en plusieurs étapes, mais en même temps en fait. On peut choisir les séquences dans lesquelles on veut avancer, faire l'un, l'autre. Parce que par exemple le Black Flag ou l'Unity, on faisait ça, puis on faisait ça, puis on faisait ça, puis on faisait ça. Là c'est
Tu fais ça, donc tu as ouvert trois possibilités de séquences. Bon, on doit les faire, la finalité, elle revient à la même, on va devoir les faire. Mais je trouve ça un peu perturbant. Enfin, perturbant. Si le mot est un peu fort, évidemment, mais voilà. Ça nous permet de pouvoir nous rendre dans plusieurs quartiers en même temps, enfin l'un après l'autre quand même. Parce qu'on n'a pas encore la chronosphère. Pas encore. On va rejoindre, ah, bien sûr. C'eût été trop facile, qui est une porte. J'espérais une porte, mais là, je suis trop naïf encore une fois. Et la porte, elle est de l'autre côté, à tous les coups. Et bingo. Bon, voilà. On va aller donc avec Miss Fry, si le jeu le veut bien. Voilà, on va aller voir Bell, donc Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Je vous laisse pour la vidéo. Je vais tenter de pas faire de bruit. Jacob, Evie, c'est vous. Dieu merci. Seriez-vous en pleine expérience, Alex? Exact. Ça a l'air plutôt ébouriffant. Pardon. C'est à cause de ces rustres que Starik ne cesse d'envoyer pour m'acheter. Il m'a proposé une somme absolument effarante. Alec, tu ne comptes pas quitter le navire, quand même? Jamais. J'ai conçu cette petite chose au cas où il se ferait trop pressant. Elle étourdira un assaillant, si besoin est. Vous croyez que ça va marcher? Je n'en sais rien. J'en ai fabriqué trois avec entre autres différents degrés d'acidité. L'une d'elles devrait marcher. Allons les essayer sur des hommes de Starik, alors. On va devoir tester un truc génial. Starik, il propage toujours de fausses informations. Nous pourrions détruire ses émetteurs. Sa société est trop bien gardée. Ces bombes seront sans doute utiles, mais il serait dommage de fabriquer des bombes étourdissantes qui soient sans effet. Ouais, ces bombes, ouais. Oh, ouais, vaut mieux tester les bombes, on verra après. Je crois que l'occasion se présente d'elle-même. Bon sang, il n'avait pas l'air si mauvais jusqu'ici. Reste en retrait, allez. Nous allons plutôt jouer à un petit jeu de linguistique. Emporter ces bombes et grimper sur le toit. Et quand je prononcerai le nom d'un condiment, lancez-en une sur ces gredins. Très bien. Oh, super. Attendez, j'ai failli oublier. On va devoir faire de la cuisine maintenant. Glissez ceci dans vos bottes. Vous serez protégé de toute décharge voltaïque. Enfin, je crois. Ah, évidemment, un conducteur et un neutraliseur. Alors, super, rejoindre le toit. On va prendre l'escalier, on va faire comme tout le monde pour une fois. Dans cette aventure, on va faire comme tout le monde, c'est-à-dire monter dans les toits, sur les toits. Génial. Alors ici après, c'est sérieux là? Aïe. Voilà, on va monter sur le toit comme il nous le demande, hein, donc. On va prendre le coffre, ça fait toujours des sous. On va éviter de se faire griller bêtement, parce que là ils sont quand même en dessous. Et c'est con parce que pour le même prix, franchement, je fais un carnage, hein, je vous le dis direct. Mais bon, c'est les besoins de la mission, pas de chance. Voilà, on va attendre. On est venu réduire ton atelier ensemble, pas vrai, Vaz? Tant c'était quelque chose ici, pas vrai? Et tu t'en sers pour lire les messages de la Starik Company? Cette notion est tout aussi grotesque que l'idée que la Starik Telegraph Company diffuse des informations impartiales, monsieur. Ok, bon. Les promesses de votre employeur ne sont que du vent, et ses activités vont tourner au vinaigre. C'est quoi ces histoires de vent et de vinaigre? Oh. Bon. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon?
Je vous avoue que j'ai pas compris. Bon, un condiment, ouais. Bon, le vinaigre, je sais pas si c'est un condiment. Non, je crois pas. Je suis nul. Je suis totalement nul en cuisine. Ici, c'est pas moi qui fais la cuisine. Moi, je fais des expériences en fait. Et je vous jure, hein. Faut imaginer le truc. Je vais mettre un peu de ça, un petit peu de ça. Enfin, vous imaginez Gargamel quand ou le grand Schtroumpf quand ils font des potions. Ben moi, c'est à peu près pareil. Sauf que moi, ça se mange. C'est pire encore. Donc, imaginez si un jour il y a une apocalypse de zombies ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous douter que ça vient peut-être de moi. Il y a des chances en fait, d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas obligé de me chercher et de me massacrer pour ça. Alors, allons-y. On va aller voir notre ami. Et on va tenter de le d'être un peu plus mieux. Un peu plus mieux, hein. D'ailleurs. Allons-y. Bon, les condiments. Le pire là-dedans, c'est que je suis jardinier quand même. Il faut le signaler aussi. Allez. Bon. Attends, patience, patience. Pourquoi du vinaigre? Pour moi, c'est bon, vinaigre. Voilà. Bon, a priori, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Y a des coffres, ok. D'accord, c'est le concept en fait. Bon. D'accord, je commence à comprendre un peu mieux le système de là. Le délire. Pourquoi pas. Voilà, donc il avance, les autres le rejoignent, continue la conversation, il y a le signal et je balance la sauce. Alors, et c'est parti. Tac. Voilà. Et maintenant, je pense que je vais pouvoir les tuer. Yes, sir. Et de 1 et de 2. Voilà, ça c'est pour être moqué et avoir intimidé mon ami Belle. Putain, par contre, je suis désolé, mais. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Voilà. On va le fouiller. On va avoir de la chance. On va le suivre, Belle. Bon, par contre, ces bombes, je vous avoue que je sais pas trop quoi en faire. Parce que dans le feu de l'action, je suis pas sûr. Peut-être via une corniche où ça peut être sympa pour gagner du en cas de surnombre de l'ennemi. Ça peut être sympa de pouvoir prendre l'avantage de cette façon, mais c'est pas mon style de jeu. Donc je sais pas du tout si je vais utiliser ce fameux nouvel objet qu'on a reçu. C'est triste.
Dans le genre, j'exploite pas le nouveau matériel et nouvelles possibilités qu'on lui donne. Je suis là. Alors, à voir et à me rejoindre dans ce télégraphe, je ne sais pas pourquoi. Je défonce tout. Pourquoi il fait demi-tour? Pourquoi il tourne? Ça va, on s'en sort bien pour le moment. On va rentrer ici. Non, je pensais que c'était un bâtiment, mais même pas. C'était juste une route. Bon. 120 mètres. On va essayer de couper la chips. Voilà. On y arrive, mais alors, fait maison, les gars. Bon. C'est bon ou c'est pas bon? Éliminer les hommes de bas. Ok. Et, évidemment, la nouvelle, c'est de les électrocuter. Bon. On s'en fera, t'inquiète pas. Bon, on va balancer la sauce comme ça et on verra bien. Oui, ça c'est fait. Ils perdent de la vie. Et de 1 et de 2. Comment ça, ne tuez pas des dinosaures? J'ai rien tué, moi. Si? Bon, je vais défendre Belle parce que je fais le con, mais là, la mission continue. Faudrait peut-être pas rater à cause de ça. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il a fumé ou quoi, Belle? Allez, avance. Non, je vais le laisser tranquille, il est tout en stress, le malheureux, il sait plus où il doit aller. Ah, magnifique, il y a des gens. Là, il y a du monde. Alors, je vais les attendre avec une petite bombe de derrière les fagots, vous allez voir. Regardez, hop, normalement il passe la porte et boum, ça c'est du timing parfait. Et de 1 et de 2 et voilà. Bon, pour le moment tout se passe bien à merveille, j'ai envie de dire même. Mais je n'ai plus de bombe, mais j'ai toujours des flingues, ça c'est pas un problème. Ouais. J'aurais aimé avoir une bombe, ça aurait été sympa. Mais alors j'ai compris le concept. Ah, ils sont mes camarades. Oh là, ils sont où? Ah là, ok. Viens ici, toi. Lui, t'es mort. Ah, je m'en sors relativement bien. Par contre. Allez. T'es sérieux, toi? Tu veux pas le taper? Lol, quoi. Bon. Dommage. J'ai dû utiliser mon flag. Problème aussi, moi, parfois. Et là, il y a une caisse. On va la prendre. Et lol. Bon, on va faire le tour, c'est pas grave. Il veut pas. On va prendre la caisse. Avec un peu de chance, je vais avoir des... Même pas. Bon, j'aurais aimé avoir ça. Regardez, on va jouer du flingue un petit peu. Aïe, tu m'as mis une belle patate. Tiens. Alors, c'est qui, papa? Oh, les flics. Oh, les flics, ils m'ont fait plus de ça ici. Bon. Oh, ils mettent des bons coups de satan. Hein. Aïe, aïe. Mais, ils sont sérieux, les mecs? Ils se débrouillent bien en plus. Hein. Bon, heureusement, j'ai de l'aide de mes camarades ici. Voilà, on va régler le problème. Voilà, je pense que la séquence est terminée. Je l'espère en tout cas. Donc on est bien dans la séquence 5. Dans une des parties de la séquence 5, je devrais dire plutôt. Je dois de nouveau vous remercier d'avoir défendu cette valeur qui m'est si chère à moi et à notre cause, la liberté d'expression. C'est une chance que vous mettiez votre génie au service du bien commun, Alec. Il n'empêche, tu ferais quand même mieux de quitter ton atelier. Inutile.
Votre courage est devenu une véritable inspiration, sans compter que mes petites machines m'offrent toute la protection dont j'ai besoin. Si par le plus grand des hasards, vous aviez un moment de libre, passez donc me voir. Et voilà, donc c'est bien ça. On a gagné patate d'XP, les gars, franchement. Donc voilà, on a terminé la nouvelle explosive, donc on a droit maintenant aux bombes voltaïques. On a eu 1250 d'XP plus 150, donc ça nous fait 1400 d'XP. Et 925 livres grâce aux 125 de bonus, parce que j'ai électrocuté les hommes de main.